Salut tout le monde, on se retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait de vidéo, donc je m'en excuse parce que c'est assez compliqué en ce moment pour moi de faire des vidéos, mais ne vous inquiétez pas, la chaîne n'est pas du tout abandonnée. Donc aujourd'hui on revient pour une vidéo qui m'a été demandée depuis pas mal de temps. C'est une vidéo par rapport à ma barbe. Donc qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je fais pour ma barbe. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo parce que j'ai justement pu essayer pas mal de produits de chez L'Oréal pour la barbe. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu de quoi je parle, je vous invite à aller voir directement sur la chaîne de L'Oréal Paris France où vous allez pouvoir voir les différents épisodes qui ont été tournés pour la présélection et pour la sélection du Beauty Tube saison 2. Et donc pendant ce Beauty Tube, on a pu tester, on a pu parler de produits L'Oréal Men Expert. Et moi, c'est vrai que j'ai jamais eu de produits bien spécifiques pour la barbe parce que comme je vous ai dit pas mal de fois en vidéo, je fais vraiment pas grand chose pour ma barbe, mis à part la raser ici, l'entretenir ici à la pince à épiler et dégager la bouche, donc dégager vraiment les commissures et la bouche pour avoir un aspect assez net. Mais j'ai pas vraiment de produits bien spécifiques, mis à part des huiles de temps en temps, mais c'est vraiment beaucoup plus spécifique pour la peau et je le descends sur la barbe. Là, je vais vraiment vous parler de produits que j'utilise spécialement pour ma barbe et je me suis dit ben, pourquoi pas se faire une petite routine comme ça et vous en parler justement en vidéo. Donc on commence tout de suite. J'ai enlevé de cette vidéo tout ce qui est tondeuse et tout ce qui est rasoir parce que pour moi ça n'a aucune utilité de vous en parler maintenant étant donné que j'utilise des produits assez basiques. Par contre, je vous reparlerai d'une tondeuse que j'utilise, mais ça sera dans une autre vidéo que je trouve pas mal et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc je vous ferai cette vidéo bientôt. Alors premièrement, j'utilise ce produit-là. C'est le Hydra énergétique, donc c'est le gel de rasage précision barbe plus contour. C'est non moussant, en fait c'est un gel qui adhère bien au niveau de la peau, qui va vraiment protéger votre peau des lames de rasoir. Et ce qu'il y a de super, c'est que vous pouvez raser votre visage tout en voyant et délimitant la structure, en fait, la structure de votre barbe. Vous allez pouvoir bien l'appliquer là où vous le souhaitez, passer le rasoir dessus et vous rendre compte de ce que vous faites, du travail que vous faites. Or, avec de la mousse, c'est assez difficile. J'ai toujours fait avec de la mousse. Là, ce produit-là a été vraiment une réelle découverte. Et c'est hyper satisfaisant pour moi parce qu'on a vraiment un effet frais. C'est anti-irritation. Je ne me suis jamais coupé avec. On voit bien où on délimite la barbe. Donc moi, vous voyez, je fais vraiment ici. Je délimite au niveau du cou. Alors, je sais que normalement, il faut descendre deux doigts ou un doigt, je ne sais plus, au-dessus de la paume d'Adam. Ben, j'y suis. J'y suis. Bon bref, je sais que je la taille pas comme il faudrait, mais moi ça me plaît comme ça parce que ça dégage le cou. Ça fait un cou vraiment bien élancé, donc à vous de trouver la taille qui vous correspond le mieux et qui vous va le mieux. À ce niveau-là, j'en mets pas tellement parce que je le fais sans rien. Je passe le rasoir ici et ici. J'essaie de délimiter la mouche ici. Et les commissures, c'est pareil, je passe soit un coup de tondeuse, soit un coup de rasoir, mais je ne mets pas ce produit-là. Ce produit-là, je le mets quand j'ai pas le temps de m'épiler, je le mets ici et je le fais vraiment au niveau du cou et ça, c'est vraiment génial. Donc pour ceux et celles qui utilisent de la mousse comme moi, je vous invite à essayer ça parce que c'est vraiment top pour bien le faire, pour avoir un résultat net et pour pas galérer à ressembler à rien avec de la mousse à raser. Ensuite, j'ai deux produits, donc ce sont deux produits purifiants qui sont faits pour le visage mais qui sont bien aussi pour la barbe, je trouve, parce qu'ils adhèrent bien, en fait ils adhèrent bien au niveau de la peau. Et pour moi, rien de mieux que d'éliminer les impuretés, de bien nettoyer une barbe pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit saine et pour qu'elle soit propre. Donc tout d'abord, il y a le gel purifiant visage et barbe qui va adoucir la barbe, la purifier, éliminer les impuretés et l'adoucir. C'est un produit qui est enrichi en menthe poivrée. Donc vous avez de la menthe poivrée qui a un effet fraîcheur, qui va redynamiser, qui va retonifier la peau. Ça, c'est vraiment top. Et pour rafraîchir aussi. Et le poil est beaucoup plus souple, je trouve, et adouci quand on utilise ce genre de produit pour purifier le poil et la peau qui est en dessous. Donc ça, vraiment, c'est un super produit. Je ne connaissais pas tellement les nettoyants visage de chez L'Oréal et j'avoue qu'ils sont assez bien en termes d'odeur. C'est pas ce que je préfère, mais en termes d'efficacité, vraiment, en tant que nettoyant, ils sont vraiment bien. Pour les peaux mixtes à grasse, je vous conseille vraiment ça. Et pour ceux qui ont des petits boutons sous-cutanés au niveau de la barbe ou quand ils se rasent, je vous conseille vraiment ce genre de produit-là. Ensuite, en nettoyant, alors c'est pas spécifique barbe, mais moi je trouve qu'il a vraiment un effet de nettoyage en profondeur qui est vraiment top pour sous la barbe. C'est l'Hydra Energetics, donc c'est le gel purifiant au charbon magnétique. Il va capturer toutes les impuretés, pollutions,
toxines, transpiration et laisser une peau fraîche et saine. Donc c'est ce produit là, je trouve qu'il est vraiment top parce que il est très très purifiant. Par contre, si vous avez une peau sèche, sensible ou normale, je vous conseille pas cette gamme là mais plutôt une autre parce qu'il est très purifiant. Le charbon va venir attirer toutes les impuretés, enlever vraiment toutes les toxines et la pollution que vous avez sur la peau pour un nettoyage en profondeur. Donc je vous conseille plus de le faire celui-ci le soir parce que ça permet d'éliminer vraiment tout ce qui gêne à la peau pour respirer en fait. Donc ça c'est vraiment bien pour la barbe, pour le visage et sous la peau pour la barbe aussi. Faut penser à utiliser des produits pour la peau qu'il y a sous la barbe qui est quand même cachée, qui est protégée vous me direz par le poil, mais voilà, il faut quand même l'entretenir. Donc ça c'est top. Et pour ce faire, il y a un produit qui est vraiment bien, c'est nouveau, c'est l'Hydra Genius Aloe Water, donc de chez L'Oréal, c'est celui-ci. C'est une texture hyper légère, c'est pour les peaux, c'est un soin liquide en fait pour les peaux sèches à sensibles. Vous voyez, la texture est assez fluide, assez légère. Je trouve qu'il est vraiment bien parce qu'il protège la peau, il hydrate, il la prépare au premier soin, parce que moi je l'utilise pas seul ce produit, je l'utilise en guise de sérum et en mettant une crème par-dessus, la peau elle est bien rebondie, elle est bien hydratée et vraiment c'est top pour la barbe parce que ça va vraiment bien l'assouplir et bien hydrater la peau qui est en dessous, parce que le produit a une texture vraiment très légère et ça va vraiment pénétrer en dessous des poils pour hydrater et apporter du soin à la peau que vous avez en dessous. Donc ça c'est vraiment un top produit et c'est tout ce que j'utilise en fait pour ma barbe, parce qu'après ce sont vraiment des routines bien spécifiques pour le visage qui sont pas forcément spéciales pour la barbe, qui n'apportent pas grand chose à la barbe, mais ces quatre produits là vraiment moi je les trouve top pour l'entretien, pour le nettoyage et pour l'hydratation et l'assouplissement de la barbe, je sais pas si ça se dit, pour assouplir la barbe. Donc c'est vraiment 4 produits que j'aime beaucoup et que j'utilise vraiment pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme produit pour la barbe et ce que vous faites pour entretenir votre barbe. Je suis désolé pour le manque de vidéos en ce moment, mais je fais vraiment tout mon possible, croyez-moi. Je reviens bientôt pour une vidéo make-up où je vais vous parler de 2 produits que j'aime beaucoup en ce moment pour avoir un teint parfait en 2 produits seulement. Et puis voilà, donc je vous fais à tous d'énormes bisous, j'espère que vous allez bien, à très bientôt, bye.